salle qui te manque? Juste 10 scènes. Tiens. Merci. Hey, comment ça se fait? J'ai pas encore vu ton nom pour le tournoi d'échecs. Qu'est-ce que t'attends pour t'inscrire? Je peux plus y aller. Comment ça? Tu m'avais dit que tu viendrais. Oui, mais là, je peux plus parce que mon nom nous invite à son chalet en fin de semaine. Puis après, obligé d'y aller. Fin de semaine dans le Nord, t'as dû refuser, tu sais. Puis le tournoi d'échecs à cette heure? Bof. Va en avoir d'autres. Je te gâche que ça fait ton affaire, hein? Tu dois être content. T'as peur que je te batte encore? Pas du tout. C'est de la chance que tu m'as battu l'autre fois. Ah ouais? Oui. Puis tous ceux que j'ai battus pour me rendre en finale, ça aussi c'est de la chance, je suppose. Attends qu'on se reprenne, là, tu verras bien. Si tu trouves des excuses à chaque fois qu'il y a un tournoi d'échecs, là, c'est pas la veille que tu vas prendre ta revanche, hein? Laisse donc faire. Hey Jeff, du coup, si tu viens pas, là, moi j'ai pas de compétition. Ben ça devrait faire ton affaire. T'aimes tellement ça, montrer que t'es bon. Si je joue pas, là, t'as au moins une chance de gagner. C'est le dernier cours avant la fin de semaine. Tant qu'à moi, c'est déjà la fin de semaine. Oui, bonne idée, ça. Non, toi, tu vas aller à ton cours. Tu t'intéresses à mon éducation, à cette heure. Tu vas aller remettre ça à Michel. Pourquoi tu y donnes pas toi-même? Parce qu'il sort en courant à chaque fois que je veux l'approcher. Puis perds-la pas, il y a de l'argent là-dedans. C'est ce qui manquait pour son drum que j'ai pété. Puis, il y a une lettre aussi. J'aimerais ça que tu t'arranges pour être là quand il va la lire. Je voudrais savoir la face qu'il fait. Peut-être qu'il va donner une lettre pour moi après. S'il n'est plus capable de parler, il est peut-être capable d'écrire. Tu sais, d'après moi, Michel, là, il veut plus rien savoir. Hein? C'est pas ton avis qui compte, c'est le mien. Puis j'aime pas bien ça, je vous aspire. Inquiète-toi pas, ça me surprendrait bien gros qu'il t'en veuille lui amener de l'argent. Pour l'argent, non, mais pour le reste, là. De quoi tu te mêles? Daniel, tu vas être en retard. Je t'attends au billard, hein? Salut. Qu'est-ce que tu fais ce soir après le tournoi? Je sais pas. C'est parce que j'ai décidé d'organiser un party chez moi pour les joueurs du tournoi. Tu vas venir? Je sais pas. Ben oui, tu vas venir. Puis même que tu vas me donner un coup de main pour le préparer. Hein, qu'est-ce que t'en dis, là? Peux-tu m'aider? Pourquoi tu demandes pas à Steph, là? C'est son tournoi. Ben oui, mais Steph, elle a d'autres choses à faire, puis elle a assez d'organisation. Écoute, Séverine, là, tu tombes à un bien mauvais moment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça! 64 % Seigneur, qu'est-ce que t'as fait? T'es toujours dans les 90 d'habitude en maths. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Puis c'est juste ça qui déprime de même. Pourtant, il me semble que j'avais les bonnes réponses. Mais c'est peut-être Girard qui s'est trompé. Ça m'est déjà arrivé avec lui. Ça se peut, ça. Bon, ben là, oublie ça, puis viens me donner un coup de main pour moi partout. Non, non, moi, je vais aller régler ça tout de suite. Moi, j'allais chercher mes livres de maths. Raphaël! Pour les services que je t'ai rendus, là... Hey, ça paraît que c'est pas toi qui vas se faire engueuler en arrivant à la maison, hein? Non, non, moi, j'aime mieux régler ça tout de suite puis arriver avec ma vraie note. Bon, ben viens me rejoindre chez nous, d'abord. Ouais. Là, t'as-tu pogné une copie? Comment t'as trouvé l'examen de maths? Super facile. Combien t'as eu? 95. 95%? Hein? Hey, monte donc voir. Même que j'ai pas étudié beaucoup, hein? J'avais ma bio à réviser. Qu'est-ce que c'est ça? Là, 64? Tabarnouche, t'as pas chévré, toi? Hé, hey, regarde, j'ai répondu la même chose que toi à cette question-là. Je savais que c'est Girard qui s'est trompé. Aïe, aïe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas prouvé ta réponse. Fallait que tu fasses une table des valeurs. Mais il demandait pas. Voyons donc, Raphaël, on en fait depuis un mois. Je te gage, t'as pas fait de graphique, non plus. Ah, fallait faire un graphique aussi. Mais oui. C'est la seule façon de prouver la relation entre les variables. Mais ça non plus, il le demandait pas. Des fois, là, il faut voir plus loin que le bout de son nez, hein. En tout cas, c'est plate que tu sois pas si bon en maths qu'aux échecs. Salut, là. Bonne fête de semaine. Ben, j'ai pas pensé à ça!
veux-tu une? Non, merci. Puis comment ça s'est passé? Ben, il a pas lu ta lettre. As-tu ouvert ton mail? Ben oui, il a même pris l'argent. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a rien dit. Il a mis l'argent dans ses poches, puis... il a jeté la lettre dans les poubelles. Quoi? T'es maudit couillard. Plus orgueilleux que je pensais, lui. Qu'est-ce qu'il fait à soir? Je sais pas, il me l'a pas dit. Mais t'aurais pu lui demander, espèce de cave! Wow! Je te pousse sur moi, là. Tu sais, Sandra, peut-être sortir ensemble? Ce soir, là, juste comme ça, copain-copain, là. Ça me tente pas de sortir. Pis, comment tu trouves ça? Tu veux le pointer dans ta chambre? Ben oui, ça va être plus intime. Hein, comment tu trouves mes décorations? C'est correct. Tu trouves ça qu'était? Non, c'est correct, je te dis. C'est les rubans, hein? Ça fait partie de noces. Alors, viens-en avec ta décoration, là. Il y a des affaires pas mal plus importantes que ça dans la vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est mon examen de maths. C'est pas Girard qui s'est trompé, c'est moi. J'ai vérifié avec Jean-François. Hey, 64 %. J'en reviens pas. N'exagère pas, t'as même pas coulé. On dirait que j'ai le cerveau qui ramollit. Il doit ressembler à ça. Bon, ben tant qu'à dire des niaiseries, là, hein? Viens donc me donner un coup de main. Hey, ça n'a pas d'allure. Faut que j'étudie mes maths. J'ai l'impression de plus rien comprendre. Tout de suite, là. Tu devais me donner un coup de main pour mon party. T'as plus besoin de moi, tout est fait. Non. J'ai encore les commissions à faire. J'aimerais ça en profiter pour aller étudier mes maths avant que tout le monde arrive, là. Le soir, là, c'est pas étudiable chez nous. Tu vas étudier juste avant ton tournoi d'échecs. C'est vrai, je l'oublie, ce tournoi-là. Bon, tu viendras ici demain, on va étudier ensemble, c'est tranquille ici. Ouais, c'est une idée. Bon, on y va. Mais je serais peut-être mieux de pratiquer mes échecs un peu, hein? J'ai pas envie de couler mon tournoi avec. Je vais avoir la table dans 2 minutes, viens-tu jouer? Je suis occupée. Ah ouais, donc, ça va te changer les idées. Mes idées sont parfaitement claires de même. Ben là, c'est parce que si tu viens pas tout de suite, on va perdre notre tour, là. Hey, ça me tente pas de jouer au billard, il n'y a rien d'autre. As-tu compris? Arrêtez de penser à Michel, tu te fais du mal pour rien. Il faudrait qu'il en revienne de son drum. Je sais, j'aurais pas dû te péter. Au moins, je l'ai remboursé. Tu sais, Sandra, moi, je te trouve super correct, hein? Je suis sûr qu'il y a plein de gars qui voudraient sortir avec toi. C'est pas d'autres gars que je veux. C'est Michel! Ben là, il y a pas juste Michel sur la terre, là. Je suis là, moi. Tu sais, tantôt, quand je t'ai dit que je voulais qu'on reste juste des amis, là, ben... c'était pas vrai. Tu sais, ça ferait marcher, tous les deux, hein? Tu trouves pas? Tu trouves peut-être que je vais trop vite, là, mais... ça fait déjà pas mal de temps que j'ai envie de te dire ça. Je t'ai toujours considéré comme un ami, mais pas comme un chum. Mais pourquoi pas les deux? Tu sais, on peut sortir ensemble, puis il est pas obligé de se passer quelque chose. Peut-être c'est pas mon œil préféré. Hé! T'avais pas vu Raphaël? Non. Mais viens t'asseoir, t'as juste à l'attendre avec nous. Ah non, merci, il faut que j'aime. Pas peur, là, je te mangerai pas. C'est parce que j'ai un tournoi d'échecs. Yark! Mais quoi, ça va être le fun. C'est la cellulose, puis c'est Steph qui t'organise. Tant qu'à moi, c'est rien qu'un jeu de nerd. Salut. Hey, où c'est-tu? M'inscrire au tournoi d'échecs. Hein? Raphaël, arrête de chanter. Comment veux-tu que je me concentre? Je m'excuse. Oh! Échec et mat. Si tu joues comme ça ce soir, ça va être laid. Mais, hein? Surtout que la balle à Jean-François sera pas là. La compétition sera pas trop forte. Un autre? Raphaël, faut aller faire mes commissions. Ah, ouais, donc, là. J'aime ça jouer contre toi. Mais je comprends, tu gagnes tout le temps. Allô? Oui. Tiens, Séverine, c'est la machine à pop-corn que tu m'as demandé. Super. Merci. De rien. Je te cherchais. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je me suis arrangé pour le tournoi, puis je peux y aller. C'est cool, hein? Je vais monter avec mon cousin demain.
Comme ça, tu pourras pas dire que je me sauve parce que j'ai peur de me faire battre, hein? Je sais pas, là, mais tu serais peut-être mieux d'oublier ça, hein? Il doit être trop tard pour t'inscrire. Ah, non, tout est arrangé. Je suis passé voir Steph. Je l'ai même aidé à faire un autre tirage au sort pour les rencontres. Puis, sais-tu contre qui je me prends à ma première partie? Toi. Je vais l'avoir pas mal plus vite que je pensais, ma revanche. Réjouis-toi pas trop vite, hein? Fatigue-toi pas trop, là. Garde tes forces pour ce soir. Inquiète-toi pas pour moi. Bye, Séverine. Bye. Bon, on y va. Écoute, Séverine, je serais peut-être mieux de me reposer un peu, hein? T'es fatiguée. Non, c'est pas ça. C'est si je veux être en forme pour ce soir, là. C'est des commissions qu'on s'en va faire, pas le marathon. Non, je sais, mais c'est parce que jouer aux échecs, ça demande beaucoup de concentration, hein? Puis c'est correct. Aujourd'hui... C'est correct. Épargne ta salive. J'ai compris. T'as mieux à faire que de me donner un coup de main. Merveilleux. J'aurais aimé ça y aller avec toi, mais je peux pas. Je m'excuse. Il s'en vient toujours pas. Mais écoute donc, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est peut-être trompé d'heure. Ça m'étonnerait, il avait assez hâte au tournoi. Ça fait 2 semaines qu'il m'en parle. Ouais, tant qu'à ça, c'est bien vrai. Non, pour moi, son père a dû demander quelque chose, une affaire de même. Dans ce cas-là, il me semble qu'il nous aurait appelé, non, Raphaël? Ouais, t'as bien raison. Mais qu'est-ce que je fais, moi, s'il arrive pas, là? Bon, je vais aller l'appeler. Si jamais il peut plus venir, on va essayer de trouver un autre joueur, OK? Ici, t'es pas à ton tournoi? Non. Tu t'es fait éliminer? Mais non. Mais parle, qu'est-ce qui se passe? Ça me tentait plus d'y aller. Oh! Ça tentait plus d'y aller. Écoutons, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu laisses tomber tout le monde. Ben, j'aurais aimé ça de voir, toi, si t'avais coulé ton examen de maths. Tu capotes encore là-dessus. J'étais parti pour y aller, j'ai viré de bord. Ça n'a pas de bon sens, Raphaël. C'est juste une mauvaise note. Mets-toi pas à l'envers pour ça. Des fois, je me dis, quand j'ai des bonnes notes, c'est parce que je suis chanceux, que je suis pas si intelligent que ça. Ben voyons donc. T'es tout le temps dans les premiers, t'es brillant, certain. Ça me tente pas de devenir comme mon père, un chauffeur de taxi. Je veux avoir un bon travail, être respecté, faire de l'argent. J'ai pas le goût que mes enfants soient obligés d'aller quitter à leur chum pour s'acheter un gâteau. C'est pas une mauvaise note qui va briser ton avenir. Tu vas te reprendre au prochain examen. C'est pas sûr, ça. C'est pas le premier que je coule. Oh non? J'en ai coulé un le mois passé. Et si ça continue, là, ma moyenne va tomber en bas de 80. Arrête d'angoisser, veux-tu, là? C'est rien pour t'aider, ça. Si je veux suivre mon cours d'ingénieur, là, je suis mieux de taper des scores de maths. Mais si tu veux pas te taper une dépression, t'es mieux de te changer les idées puis y aller à ton tournoi. Hein? Si je me fais planter, ça va me changer les idées, ça encore. Mais pourquoi tu te ferais planter? Parce que Jean-François a eu la brillante idée d'aller s'inscrire. Ben, mais ça veut pas dire qu'il va te battre. Sais-tu combien qu'il y a eu dans son examen de maths, lui? 95%. Puis en plus, il s'est arrangé pour qu'on s'affronte à la première partie. Non, moi, j'irai pas perdre la face devant tout le monde. Raphaël, tu resteras pas dans ton coin à chaque fois que t'as une mauvaise note. Tu m'as laissé tomber pour mes commissions, là, tu veux laisser tomber le tournoi, ça n'a pas d'allure. De toute façon, il doit être trop tard. Le tournoi doit être déjà commencé. Oui, on dort. Tu sais très bien que Steph va te reprendre quand même. Puis Jean-François, y a-tu trouvé un autre joueur? Ben, raison de plus pour y aller. Tu commences au coin avec lui, tu vas avoir le temps d'être réchauffé. J'ai l'intention de moisir ici longtemps, là. Quoi? Tiens, prends ma place. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'après toi. Ben, tu veux écouter de la musique? Bravo, t'as tout compris. Mais, tu voulais pas jouer dans un tournoi d'échecs, toi? La couillère m'a barré, mais compte sur moi qu'elle va la regretter. Ouais, ça va être pas mal plus cool d'écouter de la musique, hein? Ouais, viens t'en. On s'en va. J'arrive pas à le rejoindre, c'est toujours occupé. Bon, mais je vais essayer de me trouver un autre joueur d'abord. J'en ai trouvé un, j'ai demandé à Daniel, ça te voit-tu? Ben oui. Ça va être mieux que rien, hein? Bon. Salut la gang! Tu parles d'une heure pour arriver, on pensait que tu viendrais pas, là. Pis, comment ça va le tournoi? Ben, ça aurait été mieux si t'es arrivé à l'heure. Ben, j'espère que tu m'as pas attendu. Disons que t'arrives juste à temps.
Bon, je vais annuler Daniel, puis vous pourrez jouer ensemble comme prévu. Hey, changez pas vos plans, là. Je vais jouer avec quelqu'un d'autre, ça me dérange absolument pas. Mais y a pas de problème, on n'a pas commencé encore. Mais je vais pas prendre la place à Daniel. Hein. Après tout, c'est de ma faute si je t'arrive en retard. T'en fais pas pour lui, je jouais juste pour dépanner. Envoie, branle-le, là. Viens t'asseoir, on commence. Ah, oh, je sais pourquoi tu veux écouter de la musique ici. Tu veux écœurer Steph. Non, mais c'est elle de me laisser jouer dans le tournoi. Ben, you, ça, le tournoi, là. Depuis quand tu t'intéresses aux échecs? Ben, ça, on va se faire mettre dehors. Ouais, qu'est-ce que ça donne pour voir? Hey, wow! Sandra! Veux-tu baisser ta musique, s'il vous plaît? Il y a un tournoi d'échecs au cas où tu l'aurais oublié. Mon ancienne belle-sœur va encore la police. À tout le monde. Justement, c'est à tout le monde. Ça fait que baisse ça ou ça. Ben là, plus que ça. Merci. Ah, mêle toutes tes affaires, toi. Hey, là, moi, je t'ai curé de jouer au bouche-trou, là. Je m'en vais. T'as rien de plus intelligent à faire qu'écœurer le monde, hein? Comme jouer aux échecs, par exemple. Encore, ah, tu baisses ta musique, s'il vous plaît. On joue aux échecs, là, nous autres. Avec plaisir, Jean-François. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Faut juste le demander poliment. Merci. Pour ça, tu devrais m'inviter à jouer. Ah, bien certain. T'as juste embarqué dans le tournoi. Ouais, j'aimerais ça, mais madame l'organisatrice me boycotte. C'est parce que c'est un tournoi sérieux, hein? J'ai pas le goût d'avoir du trouble, moi. Je suis très cool quand je joue aux échecs. De toute façon, tu peux pas embarquer de même, ça te prend un partenaire. Non, non, mais je peux jouer avec elle, moi. Ça me dérange pas de jouer deux parties dans la première ronde. Mais j'aime mieux ça que me faire déranger par de la musique, hein? OK. Mais je t'avertis, t'es mieux pour foutre le bordel. Hey, écoute, Jeff, là, ça me tente plus de jouer. On peut pas se concentrer ici, c'est pire qu'une discothèque. Non, y a plus de problème, là. J'ai convaincu Sandra d'arrêter sa musique. Tu sais bien qu'elle va recommencer. Mais non, ça vient jouer. Quoi? Je vais lui laisser des chances, par exemple. Je voudrais pas qu'elle pogne les mains. Ça. Ouais, mais elle sait pas jouer. Bon, je suis prête. Salut, Sandra. On joue tout ensemble? Ça me dérange pas. Hey, c'est avec moi qu'elle voulait jouer. Demande à Daniel, c'est toi-même qui voulais jouer avec lui. Je te reprends au prochain tour, toi. OK, t'es en forme? Certainement. OK. Vous l'honneur. Ouais. Se calme. Y a rien qui presse, on a tout notre temps. J'aime pas ça quand ça neige. Je vois ça. Tu vois, si tu joues ça, là, je te mange ton pion. Ah, tant pis pour moi, c'est déjà joué. Comme tu veux. J'avais pas vu ça. Tiens ton trophée. J'espère que tu vas arrêter de penser que je suis rien que bonne à mettre le trouble. Ah, t'as vraiment surpris tout le monde. Y a personne qui pensait que tu pourrais gagner le tournoi. Félicitations. Attends, Steph. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu dises bonjour à Michel. Puis en même temps, tu pourrais peut-être lui dire que j'ai gagné le tournoi. C'est pour ça que tu voulais t'en jouer, hein, Sandra, pour impressionner mon frère. Mais je m'ennuie de lui, Steph.
Puis lui aussi, il doit s'ennuyer. Mais il est encore plus orgueilleux que non, moi. Non, non. Pour mon frère, c'est vraiment fini entre vous deux, OK? Puis là, il est temps que tu l'oublies une fois pour toutes. Mais si c'est ça, là, qu'il me le dise en face parce qu'il n'y a jamais moyen d'y parler. Ben, il me semble qu'il a déjà été assez clair. Mais dis au moins de m'appeler, je vais y parler. Sandra, si mon frère veut te parler, il a pas besoin de moi pour lui dire de t'appeler. Il sait ce qu'il a à faire. Viens-en un peu, là. C'est pas la fin du monde. Moi aussi, elle m'a battu, puis j'en fais pas une dépression. Oui, mais toi, au moins, t'as un examen de maths de 95% pour t'en monter le moral. Puis êtes-vous prêts? Hmm? Les autres sont déjà en route. Je voudrais pas arriver en retard à mon propre party. Ben, moi, je pense que j'irai pas. Pourquoi? Ben, il faut pas que je me couche tard ce soir parce que je me lève de bonne heure demain. Moi non plus, je pense que j'irai pas. Ben, là, pas toi aussi? Ben, on peut pas dire que j'ai le goût de fêter. Ben oui, mais ça va faire comme un prix de consolation là, pour le tournoi. Hmm? Je vais chercher mes affaires puis je reviens tout de suite. T'es contre pour vouloir y aller, toi? Ben, contre toi-même. Toi non plus, ça te tente pas, hein? Ouais, mais moi, les parties, c'est pas mon fort. J'ai jamais une fille qui veut danser avec moi. Tandis que toi. Avoir l'air invisible dans un party, c'est pire que de perdre aux échecs, si tu veux mon avis. C'est même encore pire que de pocher un examen de maths. Salut, Séverine. Bonne soirée. Tu viens pas au party? Non. Puis toi, viens-tu? Ouais. Après la journée que je viens de passer, là, ton party, ça va être un bon prix de consolation. Parle-moi de ça. Viens-t'en, on y va.